Trois jours durant, les experts du domaine climatique ont travaillé afin de résoudre les problèmes liés à l'action climatique au Gabon. Tout ceci en vue de diminuer le pic des émissions de gaz à effet de serre avant l'année 2025. Quand on parle de transparence, il s'agit essentiellement de disposer d'un certain nombre d'outils et de procédures qui vont permettre au Gabon de rendre compte au niveau de la Convention cadre des Nations Unies sur les actions menées au niveau local en faveur du climat. Ça peut être des actions pour l'atténuation du gaz à effet de serre. Donc il s'agira ici de communiquer de façon détaillée sur les mesures que le Gabon prend et met en œuvre pour pouvoir réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Mais également sur le volet adaptation, le Gabon devra communiquer sur aussi là les mesures qu'il met en œuvre pour pouvoir faire face aux chocs climatiques. Une formation assez enrichissante pour ces experts, selon Neftali Mitogo. Alors, au bout de ces trois jours de travaux, en tant qu'experte en diplomatie environnementale et climatique, j'ai apporté de la technicité à ce que j'avais déjà. La question du changement climatique est transversale et évolutive, donc nous avons besoin à chaque fois de faire comme des mises à jour, de nous former, de nous enseigner, de nous renseigner sur ce qui se fait au quotidien pour mieux négocier, pour mieux discuter de ces questions. Ce renforcement de capacité des experts du domaine climatique est une initiative louable pour un pays comme le Gabon, en pleine croissance économique. Rappelons que cette action vise également à tenir la promesse faite lors de l'accord de Paris qui a pour but de lutter contre les effets néfastes des changements climatiques.